La Fondation Grand Cœur, soucieuse de la situation difficile que vivent les femmes tchadiennes, a lancé depuis le 23 février dernier la formation de 150 femmes réparties en 6 coopératives, à savoir la Synergie d'Action qui s'occupe de la production de pâtes, de cacahuètes à base d'arachide et de sésame, Viane Balatna qui traite et transforme la viande et Vitafa qui s'occupe de la production des pâtes farine enrichies à base de céréales. Ce n'est pas tout. La coopérative La Bonne Mère Tchadienne s'occupe de la production de savon 80% bio. Al-Halou Gabalzaf de Linia qui se charge de la culture et de la production des tomates. Et enfin, Tomate Darna qui transforme les tomates en purée, en concentré et en poudre. Le directeur général de l'ONAPE félicite la Fondation pour ce projet et encourage les bénéficiaires à mettre en pratique les enseignements reçus. Je souhaite à toutes les femmes qui ont participé à cette phase du PAEP plein succès dans leurs futurs travaux et les appeler à poursuivre dans cette dynamique pour atteindre leurs objectifs et faire de leurs coopératives de grandes entreprises qui offriront des emplois aux autres. Pour la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Habiba Saoulba, ce projet vise à accompagner les femmes vers les activités génératrices de revenus. Chères sœurs, les enseignements dispensés au cours de cette formation devront vous permettre non seulement d'améliorer vos conditions de vie à travers les revenus de vos coopératives respectives, mais aussi de permettre votre plein épanouissement. Le coordonnateur du projet d'appui à l'entrepreneuriat, Youssouf Rama Aman, exprime sa gratitude aux partenaires pour leur mobilisation et souhaite plein succès aux bénéficiaires. Les bénéficiaires, quant à elles, recommandent au projet de renforcer les matériels de travail, puis de mettre en place un dispositif sanitaire et bien d'autres.